Et bonjour à tous, ici Cracky51 avec. Oula. Le jeu Rogue Legacy. Alors, qu'est-ce que Rogue Legacy? C'est tout simplement un jeu où on est dans un donjon, qui est un château, divisé en plusieurs parties, où le but c'est d'explorer, vaincre des boss et puis de s'améliorer. Il faut savoir que à chaque fois qu'on meurt ici dans le jeu, et ben, on recommence avec un nouveau personnage, et chaque personnage a ses propres caractéristiques et ses propres défauts. Donc tantôt on peut avoir un personnage qui est myope, ou un autre personnage qui est grand ou petit. Et c'est là la spécialité du jeu, c'est que quand à chaque fois qu'on recommence une partie, le château, et ben, il se reload. Et donc, eh ben, on n'aura jamais deux fois le même château. Donc là, je suis dans le petit tacticiel. Là, je casse tout. C'est important de tout casser. Donc là, nous avons notre premier ennemi. Donc je joue au clavier. Je joue pas à la manette. Ça va être un peu plus compliqué. Allez. Ouais, c'est le point de dégâts, t'es trop fort. J'ai reçu du mal, ça sert à rien. Je peux pas l'utiliser. Donc là, on va descendre. Ce que je vais faire. Oula, 100 gold. Ça commence bien. C'est qu'une seule et unique salle, mais en vérité il y en aura plusieurs. La porte. Et où sommes-nous? C'est bien joli. Bonjour le roi. Ah, je dois le tuer. Au revoir le roi. Donc nous voilà enfin sur l'écran titre. Donc on va lancer. Et là je commence avec un personnage, zéro mort ni rien du tout. Je sais qu'il y a un système de classe. Là je dois être un simple guerrier. Je peux utiliser du mana avec F. J'attaque avec L. 100 PV, 100 de mana. Je suis level 0. Okay. Oh oui, je lag un tout petit peu sur le jeu. Et encore plus. Lors des chargements, il me semble. Château, on a la forêt, la tour et le donjon. Tu bouges. Viens ici. T'es...
sais pas combien de temps durent les épisodes. Un œil. Un sourcil volant. C'est un peu hanté, hein, donc quoi. Quel œil. Il dit qu'il faut qu'il doit reconquérir le château. Un mage de feu. Le projectile traverse pas les murs comparé à ceux des yeux. Là j'ai 190 de gold, je ne sais pas si c'est bon. Tous les ennemis. Je peux pas le prendre sinon. Mais comment que je te tue? Je peux pas. Ah, mais peut-être avec un sort. Voilà, je... Ah, ça c'est la salle du boss. Pourquoi pas? Il y a des coffres. Ça m'importe. Pour un casque. La blueprint, je peux l'utiliser que quand j'aurai débloqué le forgeron. Pour l'instant là je l'ai pas débloqué. Donc c'est ma première partie. Ça, ça doit être un téléporteur, non? Ouais, je peux revenir au début si j'ai envie. Ah, c'est... Ah, ok, ils font de la publicité. D'accord. Pourquoi pas. Alors... Olé. Oh oui, ok, j'ai attaqué l'autre en même temps. Pourquoi pas. Pour le squelette... Ok, celle-là elle a passé. Je sais pas du tout où je vais. Ah, il y a un coffre.
ça continue ou ça continue. Qu'est-ce que c'est ça? Oula! D'accord. Tout à fait. Un machin crache de feu. Ils sont pas très dangereux pour l'instant. Quand il est tout seul comme ça là par contre c'est un peu compliqué. J'ai tenté. J'en ai. Aïe. Ah ok, d'accord. Je ne peux pas te toucher ainsi. Du coup je me suis ramassé des dégâts. J'ai eu de la chance, ça aurait pu être pire. On peut que descendre. Ouais, je pourrais aussi monter, mais. Je voudrais faire toutes les salles que j'ai jamais faites. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il y a une caisse ici. Est-ce mal. Aïe. Ah, normalement je vous touche. Si, oui. On en reprend hein. Ce légendaire Knight. Cyrilly. Vous voyez à droite, nous avons des traits de caractère. En plus de la classe et en plus du sort. Donc ça fait vraiment que c'est difficile de trouver deux fois la même chose. Bon, au début, ça va être facile, il y a peu de classes. Donc là, je suis un savant. Par contre, j'ai peur des poulets. Là, je suis géant. Et. Je fais des gros knockbacks. Oh là, j'arrête pas d'insulter tout le monde. Et puis. Casser des objets restaure mais mon mana. Puis j'aime bien son sort. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, à quoi ça ressemble. Donc, barbare, knife. Pour le barbare. Donc là je vais débloquer le forgeron. J'ai débloqué le forgeron. Et les châteaux pleuvent du ciel, c'est nouveau ça. Ok, upgrade, knife. Là j'ai fait une amélioration. Si je presse sur R, je peux utiliser un pouvoir spécial équipe up. D'abord améliorer un peu le mana. J'ai un chemin qui s'est tracé. Équipe up. Il y a un magnifique toit. Alors l'architecte ou l'enchanteresse. Alors l'enchanteresse ça permet de mettre des runes et des power. L'architecte permet de garder le château. Je pourrais me prendre l'architecte et garder la salle du boss, vu que j'ai trouvé. Mais je suis trop bas level, je pense. Donc on va améliorer ça. Et juste assez pour les deux. Là, ça construit, ça construit. Quand ça pleut pas du ciel, ça sort de la terre. J'ai débloqué l'architecte. Je vais prendre l'enchantresse aussi. J'espère que les paysans de la région, là, ils ont pas peur. Quand il y a un gros machin qui pousse comme ça sur leur terre.
pense que j'ai fait assez d'améliorations. Donc, ah, je fais que 18. Pourquoi j'ai baissé? Ah, je fais 25 en mana par contre. Toi, welcome hero. Et en gros, il peut m'aider en me donnant du stuff. Par contre, avec 10, ça va être dur. Hein. Ah oui, c'est cher. Moi, je fais plus de, oula, de dégâts, mais j'ai 15 en poids. Je pense qu'une fois que j'ai plus de poids, une fois que j'ai mon poids en max, je peux plus rien améliorer. Donc là, j'ai le Knight Helm, qui est meilleur que le Square. Le Square. Là, j'ai rien du tout. Ici, des bottes. Des bottines. Avec 5 de magie en plus. Ouais. Et pas de cap. Bon. Merci pour c'est très précieux. Non, non. Hello, héros. Ils vont me donner le même dialogue. Ouais, je peux t'aider. Je suis une. Ouais, c'est une enchanterette. Ah, il y a quelque chose direct. Ouais, donc on peut mettre un sprint sur l'épée, c'est nouveau. Et une amélioration de saut sur le casque. Ici, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Et j'ai rien du tout. Bon, architecte. Il a un étranger, l'architecte. Du coup, une fois que j'arrive ici, tout l'or que j'ai pas dépensé, je vais devoir lui donner. J'ai perdu. T'as fini de rigoler, merci. Donc là, on est level 8. Je crois que les levels, ça correspond au nombre d'améliorations qu'on a fait en tout. On a 8 améliorations pour le premier, c'est pas mal. Oula, un nouveau monstre. Il y a des flammes qui. Ok, le nouveau monstre vient de se barrer. Parce que... Ah, t'as de la vie toi. T'es mort toi. Ok, je peux aller au-dessus. On vient de le rencontrer, on le voit déjà partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, il fait mal. Attends. Ok, il s'appelle Otis. Bonjour Otis, ravi de faire ta connaissance. Mais... laisse-moi tranquille. Charge. Non, non, non. Laisse-moi. On dirait un boss. Enfin, c'est un mini-boss, je pense. Laisse-moi. Non, mais il fait mal. Je me mets en héros. Ou pas. Je vais sous-estimer ce boss. Vol. Ok, t'as reculé, pourquoi pas. Ok, là t'as... Ok, quand je le tape pendant qu'il... Pendant qu'il fait sa charge... Ok. Alors c'est une très bonne idée de s'arrêter juste au-dessus de moi. Magnifique. C'était super joli. Autant le premier là j'ai bien joué, autant là. Peut-être que je m'en fais encore un. Un knave. Un barbare. Bon, pourquoi pas le mage? Le mage, je pense qu'il est plus puissant. Oula, avec 60 pièces. Je vais pas lui. Okay, je peux marcher sur les panneaux.
Ah d'accord, ça utilise par seconde. Je pensais que ça cracherait des boules de feu ou quelque chose du genre, mais même pas. Alors... Vous voyez déjà que depuis la dernière fois, c'était pas la même configuration du château. J'ai pas regardé ce trait de caractère par contre. Ah ok, bon, peur des poulets, c'est ça. Bon, ce qui est bizarre, quand t'as peur des poulets, c'est que t'en vois beaucoup plus souvent que quand on n'a pas peur. Logique. Ah oui, un petit peu plus fort. Ah puis ça me donne du mana à chaque fois. Je dis toujours quelque chose. Ok. Ok, je ramasse un sac comme ça. Ouais, par contre, je fais moins mal à l'épée. Étant donné que je suis un mage. C'est. Je pense non. On va repasser derrière le château. Ah, j'ai tous les ennemis. C'était rapide. Alors autant le premier là j'ai bien joué, autant là... Ça va, j'ai tué un peu plus d'ennemis que la deuxième fois. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cet épisode et à la prochaine. Bye tout le monde.